suis une étoile, partout j'ai pas. Pourquoi devons-nous louer ou adorer Dieu? Est-ce que tu l'as dit à ton voisin? Nous allons lire rapidement Psaume chapitre 149 à partir du verset 1er. Louez l'Éternel. Louez l'Éternel. Chantez à l'Éternel. Chantez à l'Éternel. Un cantique nouveau. Un cantique nouveau. Chantez ses louanges. Chantez ses louanges. Dans l'assemblée des fidèles. Dans l'assemblée des fidèles. Qu'Israël se réjouisse. Qu'Israël se réjouisse. En celui qui l'a créé. En celui qui l'a créé. Amen. On peut s'asseoir tout doucement. J'ai dit quoi? Pourquoi devons-nous faire quoi? Aidez-moi. Pourquoi devons-nous faire quoi? Et quoi? Adorer Dieu. C'est la question que nous nous posons sûrement. Nous parlons de louange, nous parlons d'adoration, nous parlons de célébration, pardon, célébration, mais vous ne savez pas pourquoi nous devons louer, nous devons louer, nous devons adorer, un worship the Lord. Qui le sait ou quoi? Nous, parce que le plus souvent, most of the time, on est obligé de te dire, we have to tell you, de te lever pour danser, be on your feet, on est obligé de te dire, sort de ta rangée, pour louer, on doit come out. Mais je pense que, si tu savais, le but pour lequel, le purpose, si je devais louer le Seigneur, you have to pray, tu n'allais pas t'asseoir, you wouldn't have to dire, le groupe musical est en train de chanter. Pendant que nous sommes en train d'adorer, when we are watching, si tu le savais, as you knew, il allait te mettre dans le bain, you could have put et il allait louer le Seigneur. Praise the Lord. Nous allons voir, we are going to see quelques petites raisons. Voilà, six raisons. Six points. Pour laquelle, why nous devons louer le Seigneur. Praise the Lord. Dis amen avec moi. Say amen well. Dis amen avec moi. Say amen well. La première raison, the first reason, c'est à cause de ce qu'il est. Because of who he is. Si tu dois louer le Seigneur, you have to praise the Lord. C'est à cause de quoi? Because of who he is. J'ai dit quoi? C'est à cause de quoi? La première chose que nous devons savoir, fasting, l'adoration, the worship, est le premier but, the first purpose, de la vie, of the, de tout homme. Et c'est la raison pour laquelle Dieu nous a créés. Donc notre premier but, our first purpose, pour lequel nous avons été créés, we have been created, c'est de faire quoi? Is, c'est de faire quoi? Is, c'est d'adorer. Is to worship. Et c'est de louer. Ça veut dire que le but pour lequel tu es ici la terre, c'est de louer Dieu. Is to praise the Lord. Et c'est de l'adorer. And worship him. Est-ce que quelqu'un comprend? Est-ce que quelqu'un comprend? C'est anybody? Le but, the purpose, pour lequel why you are, tu as été créé, to be created, c'est de faire quoi? Is, le louer et l'adorer. Is and worship him. Donc si nous voulons bien comprendre, if you want to understand well, c'est que l'adoration, the worship, et la louange, and the praise, est une obligation. Is it not an obligation? D'accord, monsieur. Amen. On ne doit pas te forcer. You don't have to. You don't have to be fan of. On ne doit pas aller te chercher. You don't have to go and seek. Tu dois mettre dans ta conscience. You have to put your conscience. Et dans ton esprit, in your spirit, que tu es né, you are born, pour adorer le Seigneur. You worship the Lord. Tu respires, you breathe, c'est pour louer le Seigneur. Praise the Lord. Si tu es vivant, if you are alive, si tu marches, si tu arrives à te mouvoir, si tu arrives à travailler, si tu arrives à respirer, si tu arrives à te réveiller le matin, c'est pour louer le Seigneur et c'est pour l'adorer. C'est le but pour lequel, that is the purpose, tu as été créé. Recruited. Est-ce que quelqu'un pense que je suis en train de dire? Is anybody hear what I'm saying? Le fait même de te réveiller le matin, the fact you wake up in the morning, c'est un miracle. It's a miracle. Pourquoi? Why? Parce que plusieurs parmi nous, many among us, ont dormi à la même heure. Yeah, by the same time. Mais ils sont restés dans le sommeil. And they remained there. Mais Dieu n'a pas voulu. But God didn't que la mort t'emporte. That you catch you. Et il t'a gardé, il t'a protégé. Kept you and protected you. Quand tu te réveilles le but matin, la première des choses que tu vas faire, c'est de louer le Seigneur. Et c'est de l'adorer. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? What I'm saying? Pourquoi? Why? Devons-nous? Do we have loué to adorer and worship the Lord? Donc la première des choses, the first purpose, nous devons louer Dieu, the first, à cause, because of, de ce qu'il est, who he is. Dis amen avec moi. Amen.
À cause de quoi? Because of de ce qu'il est. Who he is. Mais c'est que nous devons comprendre. What you have to understand. Pourquoi à cause de ce qu'il est? Why who he is? Il est quoi pour nous? He is who he is for us. Il est quoi pour nous? Who he is for us? Aidez-moi. Il est quoi pour nous? Il est quoi pour nous? Il est le créateur. He's the creator. N'est-ce pas? Mais imaginez ce instant. Imaginez ce instant. What do you imagine? Guess. Celui qui est le créateur. Le créateur. Quand on dit le créateur, cela veut dire quoi? Non, c'est le créateur. C'est que Dieu a fait quoi? God made. Il nous a créé, n'est-ce pas? Finance. Et avant de nous créer, qu'est-ce qu'il a fait d'abord? Finance. Qu'est-ce qu'il a fait d'abord? Avant que l'homme l'existe, qu'est-ce que Dieu a fait d'abord? Man. Oh. Il dit. Aidez-moi. Qu'est-ce que Dieu a fait d'abord? Avant que Dieu ne crée l'homme, qu'est-ce qu'il a fait? Man. La Bible dit quoi? Il a dit que la lumière soit. Et la lumière fut. And there was, n'est-ce pas? Il a créé la lumière. Et quand il a fini de créer toutes ces choses, la deuxième chose pour laquelle Dieu est, il a créé la verdure, n'est-ce pas? La Bible dit pas que l'Éternel a planté un jardin. Et quand il a fini de créer toutes ces choses, la dernière des choses, la dernière des créatures, la dernière des choses, fait, c'est qui? C'est l'homme. La Bible dit que Dieu a créé l'homme le sixième jour. Donc Dieu t'a créé. Et quand Dieu a fini de créer, et l'homme s'est réveillé. L'homme constate autour de lui, il y a des choses que Dieu a déjà disposées. Il a disposé la verdure. Il a disposé les animaux. Il a disposé même la nourriture pour l'homme. Il a tout disposé. Donc l'homme n'avait pas à tout s'emmerder. Pourquoi? Parce que tout ce qu'il demandait à Dieu était déjà en place. Tout était déjà positionné. C'est pourquoi la seule chose que tu vas comprendre, tu ne dois plus prier pour le mariage, tu ne dois plus prier pour le travail, tu ne dois plus prier pour ta délivrance, parce que ce sont des choses que Dieu a déjà réalisées. La seule chose pour laquelle tu dois prier, c'est de l'adorer, c'est de le célébrer. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir ce matin? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Ne t'inquiète pas pour le travail, ne t'inquiète pas pour l'argent, ne t'inquiète pas pour la maison. L'Éternel l'a déjà fait. La seule chose que Dieu te demande, c'est de le louer, mais c'est de l'adorer. Tout ce que tu as, dis-le, c'est pour lui. La seule chose, the only thing, et la raison pour laquelle tu vis, the reason you are living, tout sera dit-lui. C'est ta vie qui passé. Peut-être qu'il ne sait pas, dis-lui. Mais il devrait nous. Dis la seule chose, the only thing, pour laquelle Dieu t'a créé, ou donc que t'as dit, c'est de faire quoi? Is et de faire quoi? Is to worship him and praise him. La deuxième chose pour ceux qui notent, the second thing. La deuxième raison pour ceux qui notent, second reason. Parce que la louange glorifie Dieu. Go and pray. Lord, le fils est allé s'asseoir. Viens rapidement. Praise, glorify the Lord. La deuxième chose c'est quoi? The second thing. Parce que la louange fait quoi? Praise. La louange fait quoi? Praise, glorifie qui? Glorify God. Dieu. God. Donc si tu veux bien comprendre, if you want to understand well, c'est que tu ne loues pas le Seigneur. You don't praise the Lord parce que tu dois le louer. Because you want to praise him. Tu ne danses pas parce que tu veux danser. Dance because you want to dance. Mais tu le fais pourquoi? You do it parce que les pas de danse. Because your step, your dance, la chanson, your song, tu vas faire quoi? Glorifier Dieu, glorify the Lord. Tu ne danses pas parce que tu es le meilleur danseur. You don't dance because you are. Tu ne chantes pas parce que tu es le meilleur chanteur. Because you are the best singer. Mais tu chantes, you sing, pour faire quoi? Pour glorifier Dieu, glorify the Lord. Oui, allons-y. Oui, go. Pour ceux qui notent, la deuxième raison c'est quoi? La deuxième raison c'est parce que la louange fait quoi? Glorifie Dieu. Psaume 50, verset 23, rapidement. Psaume 50, verset 23. Parce que la louange glorifie Dieu. La première raison, à cause de ce qu'il est. À cause de ce qu'il est, nous le louons. Pourquoi? Parce qu'il nous a créés. Dis amen avec moi. Il nous a donné le souffle de vie. La deuxième raison, parce que la louange glorifie Dieu. Lui, allons-y, Psaume 50, verset 23. C'est lui qui offre pour sacrifice. Mm-hmm. Les actions de grâce le glorifient. Mm-hmm. Et à celui qui veille sur sa voix, mm-hmm, je ferai voir le salut de Dieu. Mm-hmm. Amen. Celui qui offre pour sacrifice, mm-hmm, des actions de grâce, mm-hmm, le glorifie. Amen. Il dit celui qui fait quoi? Qui offre des sacrifices, des actions de grâce, fait quoi? Me glorifie. Mais ce que vous allez comprendre, vous savez que la louange est un sacrifice.
Dieu nous a déposé des sacrifices. Qui le sait? Nous nous déposons des sacrifices. Et la louange aussi, c'est une offrande. Ils en offrent un autre. Nous allons lire rapidement en Hébreu, le Hébreu 13, le verset 15. Hébreux 13. Hébreux 13, le verset 15. Hébreux 13. Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Amen. Elle dit, tu dis quoi d'abord? Allons-y. Allons-y doucement. Par lui, offrons sans cesse, à Dieu, un sacrifice de louange. Un sacrifice de quoi? Louange. De louange. Est-ce que quelqu'un comprend? Donc la louange, c'est quoi? C'est un sacrifice que tu offres à qui? À Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on a mentionné dans la Bible, c'est des jolis pas de danse? Non. C'est des belles voix, non. Pour lui, quand on dit pour lui, for lui, Jésus, for Jesus, pour Dieu, for God, offrons, give, sans cesse, ça veut dire sans te fatiguer, sans relâche, chaque jour, day by day, c'est que tu dois offrir à Dieu, tu as toujours ton sacrifice, as a sacrifice, c'est toi, ton adoration, your worship, et ta louange. La Bible même le dit, Baba says, même les oiseaux, il est le Père, nous le Seigneur, praise the Lord. La Bible dit, le Baba says, tout ce qui respire, nous Dieu, praise the Lord. Adore Dieu, voici le Père. Dit, tu avant même que toi tu me lèves la voix, le peuple a déjà chanté, les oiseaux ont déjà chanté, les animaux ont déjà chanté, le Père, alléluia, alléluia. Ne pensez pas que c'est le feu des hasards, que vous attendez le peuple chanter, que vous attendez le ressuscitement du lion, ce n'est pas le fait des hasards, mais tout ce qui l'esprit doit louer le Seigneur. Il dit tout ce qui respire, tout ce qui respire, whatever breathe. Est-ce que quelqu'un comprend? Tout ce qui respire. Donc la louange est un sacrifice, le sacrifice que nous devons offrir à Dieu. To give to the Lord. L'adoration est un sacrifice, que nous devons faire quoi? To give to the Lord. Offrir à qui? Give to the Lord. À Dieu. The Lord. Là, c'est la deuxième raison. Parce que la louange glorifie Dieu. Glorifie the Lord. La troisième raison. The reason, parce que Dieu, because God, nous commande de le faire. Commande us to do it. Tout ce qu'on va dire parce que Dieu nous commande de le faire. That's never said, because God commands us to do it. Je ne t'entends pas. I don't hear you. Je ne t'entends pas. I don't hear you. Et ce que vous devez comprendre, what you have to know, louer l'Éternel n'est pas une suggestion. Praise the Lord, une requête. C'est un commandement. It's a commandment. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Louer le Seigneur, praise the Lord, ou adorer Dieu, worship the Lord, n'est pas quoi? It's not just une suggestion. It's a suggestion. Ce n'est pas le fait de je te suggère de louer le Seigneur. Ce n'est pas aussi une requête. It's not a request. Mais c'est quoi? C'est un commandement. C'est une loi qui a été déjà arrêtée. Qui a été établie. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je veux dire? La louange n'est pas une suggestion. Praise is not a suggestion. Ce n'est pas une histoire de dire. It's not a matter. Aujourd'hui, si je suis content, je vais louer. Si je ne suis pas content, je vais je vais pas louer. If I'm not glad. Donc non. No, no, no. C'est la louange. Praise. Ce n'est pas. Je peux dire. I can say. Pas des émotions. By your emotion. Dieu n'a pas besoin des émotions. God doesn't need your emotion. Parce que Dieu n'est pas dans l'émotion. God is not in the emotion. Mais Dieu est dans le sensationnel. I know it's a sensation. Dieu est dans ce qui le touche. What touch him? Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Je ne loue pas à cause de ce qu'il y a autour de moi. What is je ne loue pas le Seigneur pour que les gens me regardent. Mais je loue le Seigneur pour que son cœur soit touché. Et quand le cœur de Dieu est touché, il porte ses regards immédiatement sur moi. Parce que j'ai répondu à un principe. J'ai répondu à un commandement. Il m'a demandé de le louer. Et c'est lui seul que je dois louer. Je ne loue pas les hommes. Je n'adore pas les hommes. Mais j'adore l'Éternel qui a créé le ciel et la terre. Ça dépasse sa volonté. Que je vis, que je respire. Rien n'est mis dans le Seigneur. Même si ça ne va pas se voir, il faut louer le Seigneur. Si les portes sont fermées, il faut louer le Seigneur. Il y a deux personnes dans la prison. Il n'y avait pas d'issue. Les prisons étaient fermées. Ils étaient encore enchaînés. Personne pour les secourir. Personne pour les aider. Mais ils avaient une âme.
Alléluia. L'erreur qu'ils avaient commis, ils avaient attaché les mains, ils avaient attaché les pieds, mais ils n'ont pas attaché les bouches. Tant que ma bouche sera ouverte, je vais célébrer les louanges de l'Éternel. Personne ne t'empêchera de les louer. La Bible déclare, vers le milieu de la nuit, Pierre et Silas se sont levés. Ils ont commencé à chanter les louanges du Seigneur. Ah. Est-ce que je parle à quelqu'un? Am I speaking to somebody? Mathieu. Yes. Les mains étaient enchaînées. Les pieds. Les pieds étaient enchaînés. Les pieds. Cela veut dire quoi? Mean what? Il ne pouvait pas danser. Un homme qui ne pouvait pas bouger. Un homme qui mais il pouvait quand même faire quoi? Puisse chanter. Si tu ne peux pas danser, tu peux chanter. Si tu ne peux pas danser, tu peux chanter. Si tu ne peux pas acclamer, tu as ta voix pour le louer. Tu as ta voix pour le célébrer. Dieu a dit à Jean, on ne va pas rester comme ça. Nous devons apporter quelque chose. On nous a enfermés dans la prison. Mais je sais une seule chose, que mon rédempteur est vivant. Je sais ce que Dieu aime. Je sais ce qui peut toucher le cœur de Dieu. Ce n'est pas la prière, mais c'est ton adoration. C'est ta louange. Viens, lève-toi. J'enlève-toi. Ils se sont levés. Ils ont commencé à chanter les louanges du Seigneur. Ils ont célébré le Seigneur. Et la Bible déclare, partout, brusquement, il y a un bruit dans la prison. Les chaînes sont tombées. Viens la mettre dans le Seigneur. Ce qui fait tomber les chaînes, c'est la puissance de la louange, la puissance de ton adoration. Ce matin, je suis en train de dire à quelqu'un, tu vas se lever, tu cries victoire, les chaînes vont tomber de tes pieds, les chaînes vont tomber de tes mains. Si tu te lèves, tu cries victoire, la délivrance arrivera. Qui a dit amen? Qui a dit amen? Qui a dit amen? Est-ce que je parle à quelqu'un? I'm speaking to somebody. Est-ce que je parle à quelqu'un? I'm speaking to somebody. Est-ce que je parle à quelqu'un? I'm speaking to somebody. Avant que la prophétie n'arrive, before the prophecy comes, tu es déjà le résultat. You are the result. Tu es déjà le résultat. You are the result. Tu es déjà la solution. You are the solution. À tes problèmes que tu veux. You have your problem. Avant que même l'homme de Dieu n'ouvre la bouche, le man of God, la louange et l'adoration, le président a déjà ouvert le ciel. Parce que le ciel ne peut pas rester fermé. Pendant que tu es en train de louer le Seigneur. Mesdames, mesdames et messieurs, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer ce matin. L'Éternel a entendu ta louange. Il ne peut plus s'asseoir sur son trône. Je vois Dieu qui s'est levé. Et quand l'Éternel se lève, ses ennemis se dispersent. Quand il parle, il faut silence. Je suis en train de voir l'ennemi de quelqu'un. Il ne pourra plus parler parce que ta louange a touché le cœur de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Tu me dis amen. Tu dis amen. Tu dis amen. Tu dis amen. Reçois le miracle. Tiens-toi debout. Tiens-toi debout. Tiens-toi debout. Tiens-toi debout. Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Du Seigneur, je suis là pour toi. I'm here for you. Je vais vous dire quelque chose. I want to tell you something. Souvent les gens ne comprennent pas. Sometimes people don't understand. Les gens sont surpris. People don't understand. Il dit papa Stéphane aime danser. Papa Stéphane like to dance. Il aime chanter. He like to sing. Je ne connais pas les notes. I don't know the notes. Vous pouvez demander aux musiciens. You can ask the musician. Ils les emmettent souvent. I disturb them. Je ne maîtrise pas les notes vocales. All those notes. Je ne maîtrise pas toutes ces choses. All those are notes. Mais c'est compliqué ce soir. Ah, that's what I feel. À chaque fois que je loue le Seigneur, quand m'appelle le Lord, à des minutes, à un moment, tu me vois. À des secondes près. Le second. Une semaine après. Il y a toujours des témoignages qui arrivent dans ma vie. Il y a des choses qui sont prêtes dans ma vie. Pourquoi? Parce que je sais. Alors, la seule chose qui a la capacité d'éliminer le cœur de Dieu, de toucher le cœur de Dieu, c'est la louange. Écoute-moi bien. Listen to me. La Bible déclare que David était un grand roi. Tu connais le roi. Who knows the king? Tu connais le roi. Who knows the king? Est-ce qu'on a accès facilement à un roi? On a accès to a king. Le roi a tout un mystère autour de lui. Là, le mystère, on ne peut pas venir te présenter comme ça devant le roi. Quand tu vois un roi, c'est tout ce qui a vu Dieu. Mais la Bible déclare que David lui-même a pris sa couronne. Il a jeté par terre, il a enlevé ses habits, il a jeté par terre. Pourquoi David a fait ces choses? David a fait cela parce qu'il s'est souvenu que sans l'aide de Dieu, il ne pouvait pas devenir roi. Il était derrière les animaux,
Les hommes le connaissaient, mais la grâce de Dieu est allée le chercher. Mais le peuple n'est pas le louer. Je suis dit pour ne pas l'adorer. Dieu pour ne pas louer le Seigneur. Il t'a donné les membres au complet. Il t'a donné les yeux. Il t'a donné la bouche. Il t'a donné les pieds pour marcher. Le pouvoir à tes besoins. Le pouvoir qui t'assoit. Pourquoi tu ne veux pas le louer et tu ne veux pas l'acclamer? Je pensais que tu allais commencer à bouger. Je pensais que tu allais prier des hauts moments. Attends, tu ouvres. Make a joyful noise. Est-ce que je parle à quelqu'un? I'm speaking to somebody. Nous avons dû commettre une erreur. You made a mistake. Surtout dans notre église africaine. Especially in our le groupe musical, je ne pas bien. Why the choir not singing well? Non, personne ne chante bien. Nobody sing well. Dieu ne s'en fout de ta belle voix. God doesn't care about your nice voice. Même les crapauds louent le Seigneur. Even the frogs will praise the Lord. Ils ne cherchent pas de belles voix. Mais tu cherches de un cœur pour l'adorer. Est-ce que tu es un cœur d'adorateur? Est-ce que tu es un cœur d'adorateur? Je cherche une personne qui a la capacité, qui a l'habilité, oh mon Dieu mon roi, de relever de grands défis, qui met un challenge. Vous savez le rêve que le mystère, vous savez le rêve que Saül a connu. Le mystère de Saül dit à même parce que je donne la révélation. Alors que Dieu vient révéler sur ce même rêve. Normalement, ce qui a chassé Saül du trône, c'est quoi? Normalement, what sack has Saul from the throne? Que un mauvais esprit venait à Saül. Un mauvais esprit came upon him. Dis amen. Est-ce qu'on entend? La Bible dit, the Bible says, un mauvais esprit, an evil spirit, venait faire quoi? Come, agiter qui? Come to Saül. Disturb Saül. Dis amen avec ça. Amen. Et la première des choses que Saül a demandé, the first thing Saül a dit, apportez-moi un jouet de quoi? Bring me. Le player. Apportez-moi un jouet de qui? Le player. Le app. Dis amen avec moi. Est-ce que dans toute la ville, dans tout le pays, you know, il n'y avait pas des gens qui savent jouer de la app? Ouais. Il y avait beaucoup de personnes. Many people were there. Mais ils se sont trompés de personnes. Ils sont allés dans la famille, oh my God, de David. Family. Quand ils sont arrivés là-bas, when they read them, ils ont demandé, they ask, est-ce qu'ici, il y a un joueur de app? Is anybody who can play amen avec moi? An instrument. Et ils ont trouvé David. They found David. Oh! On a cherché qui? Merci. Un joueur de harpe. Qui amène avec moi? On a cherché qui? Un joueur de harpe. Mais quand le joueur de harpe arrive dans la maison royale, il se met à jouer la harpe. Mais ce que Saül a oublié, il n'était pas seulement un joueur de harpe. Mais lui, le royal, a tourné sur sa tête. L'onction royale est descendue sur lui. Saül l'a vu comme un joueur de harpe. Mais Dieu l'a vu comme le roi qui devait remplacer Saül. Je suis en train de dire à quelqu'un, tu n'es pas n'importe qui. Tu es un prince. Tu es une prince. C'est l'éternel. Oh mon Dieu, mon roi. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Il est rentré dans la cour royale comme un joueur de harpe. Mais il est sorti de la cour royale comme le roi qui devait se tabler sur Saül. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je ne sais pas comment tu es quitté chez toi. Tu es quitté chez toi comme une femme stérile. Mais tu retourneras avec un enfant de destinée dans ton ventre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu es quitté à la maison comme celui qui ne travaille pas. Comme un chômeur, tu es venu louer le Seigneur. Mais tu retourneras à la maison avec ton nouveau travail. Je pensais que tu allais te lever pour dire, je reçois mon miracle. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des combats que tu ne feras plus. Il y a des choses que tu ne feras plus. Il y a des louanges que tu ne feras plus. La seule chose que Dieu te demande, c'est de le louer. C'est de le célébrer. C'est de chanter son mérite. C'est de lui donner l'honneur. Ah. Il y avait un aveugle de naissance, un blind man, qu'on appelait Bartimée. Bartimée. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ladies and gentlemen, laissez-moi de vous choquer. Let me shock you. Bartimée n'a pas adoré. He didn't worship. Bartimée n'a pas prié. He didn't pray. La seule chose que Bartimée a what fait, il a commencé à vanter les mérites du Seigneur. Yes. La louange, c'est de vanter les mérites du Seigneur. C'est de le mettre à la place où Dieu doit être. Bartimée regarde Jésus. Il dit à Jésus, fils de sa fille. Oh, je ne sais pas comment il est ce jour-là. Sûrement qu'il était assis. Mais quand il a entendu parler de Jésus, il est Jésus rentré dans la ville. Bartimée s'est levé. Et quand il s'est levé, la vie qui ne voyait rien autour de lui, il commence à dire, il axe. Est-ce que tu veux...
Dis-moi, est-ce que tu veux que je t'explique comment Bartimée a dit Jésus? Toi là, tu expliques nous. Les musiciens sont pas là. Je vais t'expliquer comment il a dit. Écoute-moi bien. Listen to me. Normalement. Quand nous lisons, nous disons Jésus, fils de David. Qui mais là, comment Bartimée a dit Bartimée. Jésus. Jesus. Fils Simon. De David. Jésus. Jesus. En rap, en style rap, il parle. Jésus. Jesus. Fils de David. David. Celui qui n'a point de péché en lui. Celui que Dieu a trouvé digne. Oh le Dieu mon roi. Que venu nous délivrer. Alors, je l'ai reconnu sur mon chemin. Je marche vers lui. Je ne vois rien autour de moi. Mes yeux sont fermés. Mais je m'approche pour me glorifier. Jésus, fils de David, pitié de moi. Jésus, fils de David, pitié de moi. 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 Alors, quelque chose s'est passé. Quelque chose s'est passé. Jésus s'est arrêté. Il a ce dit, mais je ne sais pas. J'entends la voix de quelqu'un. J'entends quelqu'un chanter. J'entends quelqu'un parler. Allez me le chercher. Mais qui a allé chercher Omar? Oh mon Dieu, mon roi. Qui a allé chercher Bartimée? Les mêmes personnes qui lui ont dit, depuis tu es en train de chanter, tu nous emmènes. Arrête de trop chanter. Imaginez-vous, à l'église, quand tu te mets à danser, tu me dis qu'à côté de toi, tu as la même. Tu nous emmènes. Pourquoi tu danses ainsi? Mais les gens ne savent pas. Où le Seigneur t'a enlevé? Ils ne savent pas. Quel est le problème que tu vivais? Ils ne savent pas. La difficulté qui était dans ta vie. Je veux dire à quelqu'un ce matin que plus rien n'arrête ma joie. Cette réaction ne t'empêche de louer le Seigneur. Cette réaction ne t'empêche de danser à la joie de Dieu. Si tu veux faire sauter, si tu veux faire courir, si tu veux faire te toucher, le plus que tu feras doit glorifier le Seigneur, doit toucher le cœur de Dieu. C'est pourquoi. Mais c'est dans l'adoration. Et dans la louange, mesdames, mesdemoiselles, je me suis, j'ai le privilège, j'ai l'honneur de vous annoncer une bonne nouvelle. Écoutez-moi bien, que les cymbales retentissent, que le piano joue, que la trompette sonne. Mais la seule chose que nous devons faire, la seule chose que nous devons faire, la seule pour laquelle Dieu nous a créé, il n'y a pas de chose, puisqu'il sait dans la louange de l'adoration, ce que nous devons faire tout petit sur la terre, c'est de le louer. Au ciel, nous allons te reproduire ce que nous allons commencer sur la terre. Au ciel, nous allons le louer, nous allons le chanter. Tu es sauvé, tu es créé, tu loues Dieu, pour l'adorer. Viens le mettre dans le Seigneur, dans l'esprit de Dieu, et dans un endroit, et dans un lieu, il y a la liberté. Je vais t'annoncer une bonne nouvelle. Tu as battu d'aujourd'hui, tu es guéri, tu es libre, tu es délivré, tu chanteras. Les louanges du Seigneur, tu célébreras les louanges du Seigneur, tu loueras ton Dieu. Nous sommes pas du plus de l'envers de la joie.